Merci, mesdames. Bonjour. Je m'appelle Samuel. Oui. Je suis votre serveur. Le français sur objectif spécifique, donc, c'est un type de formation en français qui s'adresse en effet à un public de professionnels. Notre approche s'appelle l'approche actionnelle parce que donc le français que les étudiants apprennent leur sert à réaliser des actions dans le cadre de leur travail. Par exemple, la formation que nous sommes en train de faire ici au Lodge de Bachaï pour les serveurs et les managers de Lodge et de Caen. Et donc, nous prenons la situation, par exemple, du client qui arrive pour manger au restaurant. Et donc, on leur apprend uniquement le français qui va leur servir dans cette situation. Je m'appelle Shuz. Je suis serveur au Caen de Mauninga. This training is going well. This one, it will help us if we will improve French. It's gonna help us to give good services. It is very important for me to learn this language because according to my experience, once the clients realize that you can speak French, then they become more comfortable and more open to you. L'Alliance française d'Arusha est une ONG tanzanienne, une ONG locale, mais qui fait partie d'un réseau qui compte plus de 800 alliances à travers le monde, sur les 5 continents, près de 40 en Afrique. Et nous travaillons donc tous sur des standards internationaux, des standards qualité, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, dans une logique d'approche innovante, plutôt visionnaire, essayer d'aller toujours un petit peu de l'avant, voir ce qui se fait de mieux, mais en l'adaptant au contexte local. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, en effet, bon, elle a toujours été quasiment, presque toujours, persuadée que le français permet de renforcer les échanges économiques et est un vrai outil pour les entreprises et puis également pour les individus. C'est la raison pour laquelle on a créé en 1958 le Centre de langue française. Et notre mission est depuis le début, l'ouverture du centre, de promouvoir le français à des fins professionnelles. On est persuadé que le français, justement, pour l'individu, permet de renforcer son employabilité, de se distinguer, de se différencier. Nous avons identifié un besoin pour le secteur du tourisme, de formation en français pour aller vers une meilleure qualité, notamment de l'accueil des touristes et des visiteurs francophones. Je pense ici à Arusha. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans les guides de touristiques qui connaissent bien les langues françaises. Il y a différents guides qui parlent par exemple allemand ou espagnol. Mais moi, j'ai choisi d'étudier français parce que j'aime travailler avec les gens d'origine francophone. We are really, really grateful, actually, to Alliance Française because it's a service that you can't get anywhere else in East Africa. You know, we can work with Alliance to create a program that suits our particular clients. For example, we get a lot of French honeymooners and we get a lot of French families. So you know, maybe during one of their workshops, they'll learn little French nursery rhymes or they'll realize that certain body language means just leave me for a little while, I'm with my new wife type of thing. So you know, all those little things really add up to making it a brilliant service. Le FOS, hein, français sur objectif spécifique, on n'est pas du tout sur une logique de niveau. Une logique de niveau, on est sur une logique de besoin et de tâches professionnelles. Une fois qu'on a les tâches, on fait des premières suppositions sur les contenus des savoir-faire langagiers, les outils linguistiques, les compétences interculturelles qui sont très importantes également et qui plus est en tourisme à développer. Et ce sont ensuite des programmes qu'on peut co-construire. Et alors j'aime bien les termes de co-construction ou de co-validation avec le commanditaire. Tourism is one of the very key and significant industry in the economy of Tanzania. It contributes directly to the GDP about 17.2%. For the 5 years, number of French visiting Tanzania has doubled. The ultimate consumer of our product is the tourist. So if you know his or her language, then we are likely to be more assured of them coming back here as the tourist. So it not only add value by increasing number of tourists here, but also it makes tourists more comfortable, more
feel more home. Because for us in Tanzania, everyone who is coming here is coming home. This is the cradle of mankind.